Peggy 18. Bon voilà, c'est pas très très dur, hein, vous avez vu. Pas de secret, etc. Pas mal de fric par contre, vous avez vu, 554. Voilà, bien joué, blablabla. Alors ça, ce mec là, le Black, c'est genre, on va dire, l'enculé qu'il y a dans tous les jeux Facebook, qui en fait, il veut de l'argent réel, voilà. C'est, vous pouvez acheter des bonus en fait, vous voyez, contre du vrai argent, vu que c'est des gold. Ou alors, vous pouvez utiliser les gold que vous gagnez dans le jeu en faisant les succès, mais bon. Donc ça... Les secondes chances, c'est quand vous ratez une mission, c'est pour la continuer, c'est-à-dire, malheureusement, vous êtes mort, pour revivre. Ou alors, vous avez plus de temps, ça va vous rajouter du temps, enfin, les trucs comme ça. Après, bon, bah, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Voilà, c'est marqué boost de santé, de vitesse, d'argent, bon, bah, voilà, ça dure une heure, ou alors, vous prenez les un jour. Bon. Personnellement, je toucherai jamais à ce bonhomme, il va rester où il est. Par contre, il nous a quand même offert un bonus, bon, voilà, c'est sympa de sa part, donc on a un bonus activé pour une heure, on est content. Ah voilà, donc je vais pouvoir vous montrer un truc, même si on n'a pas encore accès à toute la map, on a déjà accès à ça, donc c'est une bonne chose, vous voyez. Ça, c'est la mission principale sur l'axe jaune, et ça ce sont des missions farm d'argent si je puis dire, c'est-à-dire que vous allez les faire pour farmer de l'argent tout simplement. C'est des missions annexes si je puis dire, vous pouvez les faire à l'infini, à chaque fois que vous les faites elles changent. Désolé si ça fait du bruit, je suis en train de me gratter l'œil. Donc en l'occurrence, là on a de l'escorte, de l'assaut et de ça, donc pour vous montrer, on va faire un petit assaut. Donc en général, certaines missions comme ça, bah, c'est quand vous avez besoin d'argent, vous en faites des dizaines à la suite, et puis pour du farm d'argent, vous choisissez le mode de jeu que vous voulez, il y en a 5, 6, 10 différents. En l'occurrence, là vous voyez, c'est un faut tuer tout le monde, voilà. Il y a un compteur de monstres en haut, faut que je tue 36 mecs. Et en plus, c'est l'expression qui est dit, mais il fallait vraiment que j'en tue 36. J'aurais dû faire une grenade parce que dans ce jeu il y a une règle d'or, il faut que vous ayez un minimum de 3 grenades au moins dans chaque mission. Au minimum faut que vous ayez 3 grenades. Pourquoi? Parce qu'en fait vous verrez plus tard dans le jeu, les super zombies sont un peu trop forts et les armes leur font pas beaucoup mal, et du coup il faut que vous ayez des grenades pour pouvoir les tuer facilement. Surtout le scientifique, vous verrez, le scientifique c'est une vraie plaie, c'est vraiment le plus dur du jeu. Parce qu'en fait, je vous ai dit, plus vous approchez de lui, plus vous mourrez vite, et il peut vous tuer en 10 secondes, 10 secondes, même pas 2 secondes. Et c'est vraiment difficile. Et du coup, les grenades, c'est bien pour tuer de distance. Ou voilà, il paraît qu'il y a une méthode pour le tuer facilement, moi j'ai pas essayé. Mais il paraît qu'il meurt en un coup de corps à corps. Mais pour y aller au corps à corps, ça veut dire que vous allez perdre toute votre vie en fait. Donc c'est un peu du kit ou double, c'est un peu compliqué. Bon, allez, pour changer, boum! Allez, je l'ai fini, là, les 6 là, au corps à corps, boum, allez hop. Putain, il meurt en un coup. Après, normalement, ils vont mourir en 3-4 coups, vous allez voir, ça va être le bordel. Hop, j'ai pris une baffe. Allez hop, voilà, boum. Voilà, donc c'était les... Je sais même pas comment on pourrait appeler ça, des missions secondaires, des missions annexes, je sais pas trop. Je vais en faire une deuxième, les amis, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour faire mettre de l'argent. Mais c'est pour attendre... Ah bah je suis monté niveau 4. C'est pour attendre, vous voyez, que ça se finisse là. En attendant, pour que je puisse faire après les missions. Oh non, en fait, je vais faire la mission principale. Et puis je ferai la dernière avec, avec le technologie niveau 2. Alors, entrer dans le centre de communication. Merde, ça n'a pas marché. Hop là, on règle ça vite fait. Alors vous voyez bien évidemment les zombies, hein, ils peuvent toujours venir, je veux dire. Les trucs comme ça, on peut pas les barricader, on peut vraiment barricader que les trucs que... Bah il y en a même pas ici. Ça y est, du pipeline. Venez, venez, venez. Oh, le scientifique. Bordel de chiottes, le scientifique. Je vais essayer de vous montrer, regardez ma vie. Vous avez vu ma vie? La vitesse à laquelle elle part, c'est ignoble. Du coup, grenade, hein. Là, il meurt en une grenade. Mais moi, par exemple, quand je suis rendu dans le jeu, il meurt genre en 10 grenades, quoi. C'est vraiment 10 grenades. 2-3 grenades, c'est assez affreux. Donc, vous avez vu ma vie, elle est partie à une vitesse hallucinante.
Donc imaginez-le encore en mode difficile ou même en mode beaucoup plus fort dans le jeu, etc. Plus tard dans l'histoire. Ça devient, vous voyez, il y a un crâne rouge, il est plutôt plus rouge, et hop là. Quand c'est pas encore très rouge, ils sont pas encore très près, pas très loin, pardon, mais... Il y a encore un peu le temps. Trouver le bidon. Trouver un bidon, pardon. En général, les quêtes avec les bidons font récupérer 3, 4, 5 pour alimenter un générateur comme ceci. Bon, là, il en faudra que 2, parce que c'est le début du jeu, mais après, il en faut 3, 4, 5 plus tard et se taper des allers-retours immondes sur une map. Parce que vous voyez, je sais pas si on le voit, mais parce que ça diminue pas vite, mais ça diminue la barre un petit peu au fur et à mesure du temps. Vous voyez, j'ai réparé ça à 100% tout à l'heure et ça les casse vite, hein, les zombies. Hein. Ils sont pas si nuls que ça. Hein. Les panneaux de contrôle sont à nouveau en ligne. Donc là, il va falloir que je machine ça. Désolé pour les petits coups de latence, des fois qu'il y a hein, les petits freezes. Donc là, c'est en train de sortir un satellite. J'essaie de regarder au plus possible le satellite hein, pour que ce soit pour vous. Hein. C'est pas utile, mais bon, ça fait joli. Excellent. Il m'a fait peur ce con. Non, j'ai pas le temps de récupérer mon argent, les cons. Voilà, pas mal de pognon. Par contre, je vous avoue, le score, je sais pas à quoi il sert, mais je crois qu'il sert plus tard pour quand on fait du PVP ou des conneries comme ça. Parce que plus tard, il y a un mode PVP, il me semble. Ah bah voilà, ça tombe bien, 4 secondes. Le virus a muté, les ennemis deviennent plus... Ah bah vous voyez, ça a modifié toute la base. J'avais pas fait gaffe la première fois, vous voyez, maintenant la base est moins crasseuse qu'avant. Donc là, maintenant, la technologie est niveau 2. Donc mon revenu est de 500 et j'ai débloqué tout ce bordel. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, hein. Mais tout à l'heure c'était vraiment moche et maintenant ça fait un peu plus classe. Donc là, pour accéder à la dernière mission, il faut cliquer sur le bouton radio. There are pockets of resistance all around the planet. Together, we can win. This is Resistance HQ speaking, broadcasting on all AM frequencies. Join the fight. We need every single one of you. Voilà. Et donc maintenant, on a accédé à la dernière mission. Et donc, maintenant, la technologie niveau 3, vous voyez, elle coûte 12 000 dollars. C'est abusé. Et elle mettra 4 heures à s'embriquer. Donc par exemple, les trucs comme ça, je les ferai en off. Hein. Genre, je lance quand vous êtes là, enfin quand je tourne, et puis après... après je passe le temps en off. Et ensuite, ça débloque le gameplay de l'arène, donc c'est mode PVP, je crois. J'ai pas encore testé dans mon autre partie, vu que moi, c'est encore en construction. Et donc maintenant, j'accède à tous les trucs niveau 2. Par exemple, en l'occurrence, on va regarder un peu tout ce qui traîne. J'ai accédé aux mines et aux poulets boom, mais bon, faut les plans quoi. Les grenades, je vais en faire une de plus. Aussi, en fait, je sais pas si vous le dites, mais en fait, il faut d'abord améliorer l'ingénieur niveau 2 pour ensuite pouvoir après améliorer les objets niveau 2. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, enfin moi, je trouve que c'est plutôt le plus pratique de faire ça, c'est d'améliorer le soin. Vous voyez, ça va prendre 2 minutes et quelques. Je vais l'accélérer pour vous, si vous voulez, pour que vous voyez. Voilà. Et maintenant, vous voyez, je peux améliorer mon kit de soins. Je vais le faire aussi. Et en fait... Et maintenant, vous avez vu, vu que c'est niveau 2, j'ai deux emplacements. Donc, je peux en fabriquer deux à la fois. Et donc, pendant ce temps-là, armurier niveau 2. Donc, on va balancer l'armurier niveau 2. Boum. Et lui, niveau 2. Boum. Ah merde, j'ai... Non! Non! Et donc, les amis, désolé, j'ai fait crasher le jeu comme une grosse bouse. Mais donc, au moins, ça a fait passer un petit peu le temps. Donc, vous voyez maintenant que mes seringues sont niveau 2. La différence, c'est que maintenant, elles soignent 25 points de vie. Elles coûtent
50 de plus, elles mettent une minute à fabriquer, mais j'en fais deux à la fois. Ce qui fait que c'est extrêmement rentable, parce qu'avant j'en faisais une qui soignait 20, qui coûtait 150. Maintenant j'en fais deux qui soignent 25 et qui coûtent 200. Ça veut dire que c'est assez abusé. Et vous voyez, il y a ce kit d'auto-guérison. Ça doit être un truc absolument abusé, mais je l'ai pas. Je sais pas ce que ça fait encore. Je disais, oui, bah je me suis fait enculer, pardon, excusez-moi, je me suis fait baiser. Fallait que je. Quand j'avais voulu améliorer, il fallait plus de fric. Ah, aussi, ne vous faites pas avoir, si vous améliorez ce trou de balle, ça va servir absolument rien. Il fait pas de promotion en fait, c'est vraiment de la grosse merde. C'est histoire de vous baiser un peu d'argent. Merci pour la grenade. Donc, combien j'ai de grenades là? J'ai deux grenades, on va faire une troisième. Et en attendant, les amis, que tout ça, ça se finisse, là, je vais aller faire une petite mission de... Je vais pas faire la dernière mission pour vous, mais je vais faire ça, tiens. Une quête de pognon. Je la mets en mode difficile. Comme ça, ça va me faire gagner 750 au lieu de 500. Vous allez voir pourquoi, parce que les quêtes sentinelles, vous allez voir... Oh merde, je me suis fait baiser! Ah non! Je croyais que c'était... Entourelle. Bon, bah, c'est pas grave, ça va être le bordel. Donc là, faut pas que les zombies rentrent là-dedans, donc là, je vais en chier. En fait, non, les missions sont pas toujours les mêmes. Et en fait, je pensais que ça allait être une mission en mode tourelle. C'est-à-dire, en fait, on est sur une tourelle électrique et qui fait très mal et qui tue tout le monde d'un coup. Et puis c'est juste abusé, quoi. Et oh, 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 oh. Je me suis chié. Heureusement qu'on prend pas de vie. Ah putain, un plan, faut que j'aille le chercher. Hop, une partie 1 de je sais pas quoi, j'ai pas le temps de regarder, c'est un peu le bordel. En fait, en mode difficile, je crois qu'il y a plus d'ennemis, ou ils sont plus forts, ou plus résistants, je sais pas trop, je vous avouerai. Parce que là, c'est le début du jeu, donc on voit pas trop la différence, mais à un moment, moi, j'ai mis en mode difficile, je me suis fait tuer en une seconde par un scientifique, c'était n'importe quoi. C'était juste abusé. Bon, ça va, en fait, c'est pas très dur. En fait, faut juste suivre le rythme. Il n'y a plus de munitions dans la boîte, putain. Désolé si je regardais, parce que j'ai l'impression que ma souris est en train de me lâcher niveau pile. Du coup, j'ai des piles de rechange juste à côté, au cas où. J'aurais peut-être dû les changer avant de filmer, vous me direz, mais bon. Putain, un scientifique, bordel de merde, j'ai plus de grenades. Vous voyez les scientifiques, enfin les super zombies. Putain, heureusement que c'est le début du jeu, ils sont pas très forts. Hein. Je disais oui, les super zombies, vous voyez, c'est pas un crâne rouge comme les zombies normaux, c'est des crânes jaunes, enfin rouges entourés d'un cercle jaune. Pour les différencier. Bon, ça va être fini, j'ai le temps d'aller chercher mon paquet de fric. Juste comme ça, s'il y a des zombies qui passent, en fait, c'est pas la fin du monde, hein, et ça va perdre de la vie, mais genre, faut qu'il y en ait 2-3 qui passent pour qu'on perde, enfin, en fonction des modes de difficulté. Putain, du coup, je gagne énormément de pognon, vous avez vu, j'ai mis en difficulté, avec la technologie niveau 2, le secret... secret? Bah putain, je crois qu'ils me disent où ils étaient, parce que j'ai pas le temps de répéter des cochons, hein. Ou alors, je les ai explosés avec mes grenades, vous savez, sans faire exprès. Voilà, en plus, je gagne du fric, de la vie, vas-y, je suis niveau 2 d'armurier, vas-y, je débloque tout ça, vas-y, c'est la fête, médicaments, machin, j'ai botté des culs, comme il dirait. Okay. Et du coup, j'en profite pour améliorer cette merde niveau 2. Maintenant, j'ai une grenade, donc faut... Ah merde, je peux pas fabriquer des grenades. J'ai pas fini de succès. Vous voyez, il me reste juste une mission. Du coup, on va aller voir ça, et je vais améliorer ça. Voilà. Et dès que ça... Et puis du coup, vous voyez tous les plans qu'il y a après. Là, je suis que niveau 2, il y a tout un bordel de plans. Donc j'ai débloqué un plan du M1 Garant. Deux plans de l'Itaka. Et tout le reste, ça n'a rien du tout. Après, j'améliorerai tout ça.
En fait, après, plus tard, en off, ce que je ferai, les amis, pour pas que ça vous fasse chier, je farmerai du pognon comme un PZ et j'améliorerai tout ce qui est possible d'améliorer. Comme ça, vous, ça vous fera pas chier. Niveau soins, ça va. J'aimerais bien avoir une grenade en plus. Du coup, ce que je vais attendre, les amis, j'attends juste la clé anglaise. Je finis la campagne principale, donc la première campagne, et puis après, on arrêtera là pour aujourd'hui. Ça fera déjà enfin, je vais pas faire un épisode d'une heure, mais peut-être deux épisodes. Et puis d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez voir la suite du jeu. J'ai pas encore décidé si j'en ferai un let's play, mais si je vois que ça vous motive et que ça vous plaît, j'en ferai un, soyez-en sûr. Donc là, on peut voir que ma clé anglaise est passée en, MK2, pardon, donc c'est bon, tout reste en MK1, donc ça veut dire qu'elle a été améliorée, donc maintenant elle est devenue cheatée. Vous voyez, ça change à chaque fois, hein, c'est pas les mêmes. Il y en a 10 différents, au moins 10 trucs différents, faut pas oublier de remettre en mode normal. Et c'est parti donc pour se casser, signaler, nanana. On se barre d'ici, on a fini tout ce qu'il fallait faire. C'est parti, mon kiki, j'ai une grenade. Ouais, vas-y, on s'en fout, hein. Allez hop, c'est parti. Ah, je vais vous montrer maintenant, regardez, on va commencer à cheater. Allez boum, maintenant c'est one shot tout le monde, putain. Enfin, je dis putain, mais d'un côté, j'aurais dû le garder, je suis bête. D'un côté, s'il me lâche un plan, moi je veux bien en fait. Voilà. Oh bah une mine. La mine quoi, le truc que j'ai encore jamais eu parce qu'il faut être niveau 3 de... Putain ça lag. Faut être niveau 3 de technologie. Toi tu vas rester en bas. Putain c'est fermé. Placer les fusées. Ah non c'était les fumisées, ok. Je crois que c'était un... Ça pète. Je croyais que c'était un... Un tableau électrique avec des fusibles. Putain, je suis une merde. Vous avez vu la portée de ce truc, sérieusement. Je vais me répéter encore une énième fois, mais franchement. Je veux dire... ce jeu, quoi. C'est un jeu tablette quoi, un jeu tablette, smartphone, faut pas déconner quoi, c'est, on dirait j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais joué à des jeux aussi beaux sur tablette quoi, ou iPhone ou Android ou ce que vous voulez quoi, faut pas déconner. Hop, installation des fusées. Après j'imagine qu'il faut pas avoir des tablettes ou des téléphones bas prix. Hein. J'imagine que pour faire tourner ce jeu, il faut une bonne connexion. Par contre, si vous utilisez sur Facebook, que ça vous rassure, il faut une config vraiment, une config de merde, vous pourriez jouer parce que le jeu est extrêmement réglable. Vous pouvez changer la résolution, donc mettre une résolution moins élevée et changer les graphismes. Donc franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci si vous voulez y jouer. Vous allez sur Facebook, vous tapez le nom du jeu, Dead Trigger 2. Et vous n'aurez pas de difficulté, c'est tranquille. Il est où le scientifique là? S'il pouvait me donner un plan, ça serait bien. Putain, t'es là? Enfin, c'est quoi déjà ces deux? Allez, boum! Oh là là! Allez, encore 45 secondes, les amis. Et on va pouvoir se barrer d'ici. Voilà, je vide des munitions. Voilà, on n'en parle plus. Putain. Je vais vous montrer un truc, les amis. Je vais prendre cher, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir comme ça. Regardez. Voilà. Il s'est fait exploser. Yeah! Un parti de M16. Voilà, 5 secondes, ils arrivent. Vous entendez? Ça mitraille. Bon, on voit pas les balles, mais ils sont en train de tous se défouler. Là.
Merci les gars. Et voilà, plein de pognon, parce que j'adore le pognon, parce que dans ce jeu, il vous faut des milliards de pognon pour avancer dans le jeu. Voilà, le virus a muté, les ennemis deviennent plus forts encore, hein, donc si vous avez vu ce premier message, tout à l'heure, je n'ai pas parlé. Mais en fait, plus le temps passe et plus les ennemis deviennent de plus en plus forts et cheatés. Donc là, j'ai débloqué le plan du poulet boom et l'amélioration de la grenade. Okay. Donc voilà, il est temps de dégarpir, attrape tout l'équipement et les réserves dont on a besoin et on se casse. Campagne terminée, donc vous voyez, j'ai fini la campagne. Et quand on finit une campagne, donc on a les statistiques, donc victoire, échec, tué spécial, le temps de la mission, machin, et on gagne beaucoup de choses, en l'occurrence j'ai gagné plein de trucs. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire les amis, juste avant de nous quitter, je vais améliorer ma grenade. Et je vais en fabriquer aussi, j'ai oublié de... D'accord, donc là ça l'améliore et en même temps ça en fabrique. Donc, ah bah oui putain maintenant j'ai 8 de soir, bah là c'est bon là c'est fini là je suis riche. Donc on va terminer en écoutant la radio. Il n'y a pas de son mais bon il y a juste du texte. On va dire c'est la transmission de la fin de campagne. Et je vois qu'on a débloqué la dernière fonctionnalité, enfin la dernière truc en haut à droite. Vous voyez il y a marqué news. Si vous cliquez sur le bouton en haut à gauche là, je sais pas si on voit mon curseur dans la vidéo. Pardon, c'est pour réécouter le... ou plutôt en l'occurrence là, relire le texte. Qui va être déjà extrêmement long. En plus il y a toujours mon bonus qui est activé pour faire plus de dégâts. J'ai plus beaucoup d'argent. Je sais pas si je vous l'ai dit mais franchement pour un jeu gratuit c'est un jeu excellent. Mais surtout ne dépensez pas de gold, ça sert absolument à rien franchement. Ayez la patience. Donc vous voyez, ça c'est les news du... Bah, les news du jeu en fait en lui-même. Parce que le jeu est en perpétuelle, on va dire, évolution. Hein. Regardez, il y a une mise à jour en décembre, en janvier. Avec des nouvelles armes, des nouveaux amis, des machins. Environnement, le service de renseignement... Hein. Ouais, avant c'était peut-être niveau 8, je sais pas. Juste les mises à jour de Mars qui a rajouté le mode PVP, je crois. Si je dis pas de bêtises, regardez, rivalisez avec d'autres joueurs, défiez vos amis ou devenez des gens de PVP ou un mode de compétition, quoi, tout simplement. D'autres trucs, etc. Alors, voilà, donc là, ma grenade est niveau 2, vous avez vu, donc c'est exactement comme pour le soin. Elle coûte plus cher, mais en fait 2 et elles font plus mal. J'ai oublié combien elle faisait à la base, je suis désolé. Et donc, sur ce, les amis, je vais vous montrer maintenant la carte du monde, vu qu'on y a accès, et ça terminera notre épisode pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, la carte du monde, on y a accès. Donc, pour l'instant, dans le jeu, il y a les missions qu'on a faites ici, plus toujours les missions annexes qui sont toujours disponibles. Il y a des missions qu'on ne peut pas encore faire. Ce sont toutes les missions jaunes, vous voyez, là, autour avec les espèces de statues en or. Il y en a des millions. La nouvelle campagne, enfin plutôt les deux nouvelles campagnes, parce que si vous allez là-dedans, vous voyez que j'ai la campagne de Chine et la campagne d'Afrique, plus le conflit mondial. Donc la prochaine fois, nous démarrerons la campagne d'Afrique, qui est la continuité, parce que vous voyez, si on suit bizarrement la flèche, là on arrive en campagne d'Afrique. Donc nous ferons la campagne d'Afrique, peut-être que moi je farmerai des missions annexes, qu'il y en a un peu partout, parce qu'il y a encore une campagne ici plus tard qui se débloquera j'imagine. Peut-être deux campagnes en Chine, vous voyez, plus la campagne qu'on doit faire, les missions annexes, encore une autre campagne ici. Have you go. Une autre campagne là, enfin bref, partout. Et si ça se trouve, le jeu, vu qu'il est pas, peut-être qu'il est pas encore fini, vous voyez, ça se trouve, il y aura une campagne dans chaque pays où il y a marqué un point rouge avec le nom du pays, ça se trouve, ça serait énorme. Donc voilà, donc je disais oui, donc je pense que je farmerai peut-être du fric pour être assez riche. Ça c'est... Je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est une mission avec tout ça, donc peut-être que ça se finit quand le temps est passé, je sais pas trop. Ça c'est quelque chose qu'on débloque quand notre technologie est niveau 3, donc c'est la fameuse arène mode compétition PVP ou ce que vous voulez. Donc voilà, donc sur ce les amis, j'espère que ce petit let's play vous aura plu, cette présentation de Dead Trigger 2. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à suivre mon Twitter pour les actualités, et surtout, salut à tous,
à la prochaine et portez-vous bien.